A few moments later. Je vais faire le repas. Je vais essayer de pas me couper un doigt. Je vais faire de la bonne soupe. Donc on a eu un petit rond de la mamie de Rémi. Un petit rond ou un petit marron? Je sais jamais. Enfin, une courge quoi. Donc du coup, je vais couper la bête. Et on va voir. Je pense que j'en ai pour plusieurs fois. Hein, parce que là, quand je vois la taille du truc, je sais pas si vous voyez, hein, mais... J'en ai pour plus d'une fois et cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais tenter, ça fait une belle miniature tiens. je vais tenter de faire avec de la tomate. J'ai pas eu le temps d'aller au maraîcher, faudrait que j'y aille pour acheter, j'essaie de ramasser, j'ai un truc par terre. Faudrait que j'aille au maraîcher pour acheter des tomates, comme là c'est les dernières et que j'essaye de les mettre un petit peu en boîte, en bocaux, plutôt que d'acheter ça. D'acheter ça en fait, voilà, pour pas avoir d'emballage. J'aimerais bien tenter. Après j'ai regardé sur internet, c'est assez simple, il suffit d'émonder les tomates, de stériliser les pots, de mettre du jus de citron pour éviter d'avoir de la toxine botulique dedans au cas où, pour que l'acidité augmente, et du sel et de l'eau, un petit peu d'eau, voilà. Et après bon, on stérilise tout ça, mais bon, je pense que je n'aurai pas le temps. Je vais tenter, mais on verra bien si j'ai le temps d'y passer demain après-midi. Et du coup, ben, on va s'attaquer à cette bête, hein, en espérant que je vais pas me couper un doigt. Donc j'ai sorti mes petits couteaux et puis ben c'est parti, on va faire le repas. La soupe est prête, je suis en train de la laisser refroidir en randonnion là. Parce que c'était trop chaud, donc c'est pas la peine, on va se cramer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me sautes dessus? Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Qu'est-ce qu'il y a? Parle! Exprime-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Des câlins? T'as encore de l'eau ou pas? Peut-être que c'est ça, t'as peut-être plus d'eau. Peut-être que tu me dis tout simplement j'ai soif. Ah mais oui, c'est peut-être ça en fait. Hein. Il n'y a plus d'eau. Voilà. Il n'avait plus d'eau. Il s'exprime bien ce chien en fait. Hein. Donc oui, je voulais vous faire voir parce que j'ai... On est passé à Action tout à l'heure. Il y a des trucs, je ne sais pas où je les ai mis. Enfin, ils étaient dans la voiture, Rémi les a sortis, il a dû les laisser en bas. Donc je voulais pouvoir après, mais donc je suis passée chez Action tout à l'heure parce qu'il nous fallait des piles et des chaussettes. Alors d'ailleurs les piles, je devance déjà la question et le truc, je le sais que je vais l'avoir ça. Non, je n'utilise plus de piles rechargeables parce que on a testé pendant plus d'un an ou deux, je ne sais plus. Et je trouve que c'est pas le bon plan. Ben ça dure vraiment pas longtemps et en plus on a eu un souci qu'on a tout fait comme il faut. Les piles au bout d'un moment se sont mises à couler dans les appareils dans lesquels on les mettait. Donc c'est moyen on va dire. Et ça a aussi coulé dans le chargeur. Donc quand vous savez que vous payez déjà un chargeur 36 euros, je crois. Enfin certes c'est mieux pour la planète, mais ça coûte super cher et ouais, c'est pas rentable. Oui, comme dit Rémi, on n'en utilise pas non plus des masses, des piles, mais je les recycle. Voilà, je les recycle. Là, j'en ai acheté un peu plus parce que je sais qu'on va arriver dans la période de fin d'année où je vais mettre des guirlandes dans la maison. Du coup, j'en ai repris, mais on n'en utilise pas des masses, quoi.
ça va, je trouve que ça va. Donc du coup j'ai repris des piles, donc j'en ai pris des grosses et j'en ai pris des petites, donc ça c'est bon. J'ai repris aussi, alors ça c'est les piles pour la télécommande. Il faudrait qu'on passe chez Orange en fait, et j'ai pris celle-là parce que j'en ai déjà acheté chez à Carrefour des Philips je crois. Ça dure autant de temps, sauf que c'est ça je crois que c'est 1,32€ pour les 8 et à Carrefour pour les 4, je crois que c'est vendu par 4, c'est 9 ou 10€ et ça dure... Allez, celle de l'Action elle nous dure 2 semaines, celle de Carrefour elle nous dure 3 semaines. Donc le calcul est vite fait. Et en fait on a notre télécommande qui se décharge mais tout le temps. Depuis qu'on l'a en fait elle se décharge tout le temps. Ma soeur a la même télécommande, elle a pas le souci. Je sais pas pourquoi la nôtre, pourtant on l'utilise pas plus que ça. Enfin, on utilise la télé mais non pas non plus excessivement quoi. Donc je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, j'ai pris ça au lieu de les acheter sur Amazon, j'en avais déjà vu, c'est des petits crochets en fait pour les boules de Noël. Voilà pour le sapin, donc je vais essayer de réutiliser des boules ou sinon c'est pour faire des boules en polystyrène en fait. Enfin, j'ai une petite idée de déco, donc voilà. Ensuite on a pris des chaussettes pour Lucas, donc j'en ai pris deux paires. Normalement c'est des chaussettes, il y en a une c'est pour les girls mais on voit pas que c'est pour les girls donc c'est pas grave, parce que là vu la taille qu'il fait, comme il fait du 36, bah, les chaussettes, l'essence, Spiderman et tout, c'est un peu compliqué pour lui trouver. Donc on a pris ce petit lot avec des étoiles, des petits pois, voilà. Et là un autre petit lot. Voilà, donc Lucas aura un petit peu de chaussettes du coup. Après, si vous avez l'opportunité, je préfère les chaussettes de chez Zeman qui, je trouve, tiennent mieux que Action. Mais là, les enfants étaient excités, il me fallait des chaussettes. J'ai dit tant pis, je les prends chez Action, mais celles de Zeman sont mieux. Et moi, je m'en suis repris. Donc, bah, j'ai pris ça sur Rémi, il les trouvait choupettes. Donc, j'ai dit, bah, allez, hop, on va les prendre, on va pas pinailler pendant 4 heures. Donc voilà, et j'ai pris aussi deux cadres qui me manquaient pour la salle de jeu, que Rémi va devoir m'accrocher d'ailleurs. Et pour ceux qui nous suivent, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un espèce de petit ange en déco de Noël blanc, qui était sur la table derrière d'ailleurs, avec une petite inscription. Et j'ai pris un sapin aussi vert pour les enfants, pour leur salle de jeu. Et l'année dernière j'avais voulu prendre mais je l'ai loupé. Je l'avais vu, j'ai dit je le prendrai plus tard et je l'ai jamais retrouvé. J'avais vu c'était un truc rose en fait pour les fêtes de Noël, pareil, je sais plus, je crois que c'est un renne, un motif de renne, je sais plus. Donc là j'ai trouvé, je l'ai pris, ça coûtait 89 centimes. Après j'ai pas pris plus de déco parce que je me suis dit, enfin oui c'est joli, bon après Action c'est toujours la même chose tous les ans, donc ouais, la première année c'était un peu l'euphorie, maintenant oui, quand j'ai besoin de certains trucs j'y vais, mais oui là j'aurais pu craquer pour plein de décos, mais je n'aurais pas su où les mettre en fait, donc ça sert à rien d'acheter pour acheter, hein, même si c'est joli, même si c'est pas cher, c'est un peu bête. Et mais je vous avouerai que malgré les trois trucs de déco que j'ai pris, je suis contente d'un côté, mais d'un côté je me dis, c'est pas que je m'en veux, mais je me dis ça sert à rien. Enfin, c'est que de la déco, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais en ce moment, j'essaye de réduire les déchets et tout. Et du coup, j'aimerais bien réduire à fond les déchets, mais il y a des trucs que je ne peux pas. Et du coup, bah, je me dis, la déco, c'est joli, c'est futile. C'est pas forcément utile. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien de vivre dans un environnement qui est joli et tout. Oui. Mais c'est pas nécessaire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je suis un petit peu fatiguée donc j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Mais ouais, je me dis c'est pas forcément super utile, il y a d'autres priorités, enfin je sais pas. Donc j'étais contente hein, des trois trucs que j'ai achetés, mais c'était pas nécessaire. Et du coup il y a plein de trucs que j'ai vu qui étaient super choupis, bah j'ai pas pris parce que je me suis dit ouais mais non. Donc du coup, voilà pour la petite aparté, je vais regarder, mais je pense que la soupe doit être à peu près bonne. Et du coup, on va utiliser, enfin les enfants vont utiliser ces pailles là, je vous en ai déjà parlé, c'est des pailles que j'ai achetées sur Amazon, que j'adore, et qui me permettent de faire manger un petit peu plus de légumes, de smoothie, smoothie, c'est parti, crème ici de ma tronche à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai des pailles dans la main, je fais ça, faut que tu regardes hein.
Je sais pas pourquoi. La fille elle a un toc, elle est pas toute seule dans sa tête. Bref, donc du coup ouais c'est pas, elles sont bien, c'est des gloup gloup. Gloup gloup, comme les poissons. Gloup gloup. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je les ai achetées sur Amazon. Voilà, je les trouve bien. Et l'avantage en fait c'est qu'elles sont en silicone alimentaire. Donc oui, c'est pas de l'inox. Voilà, mais pour les enfants, comme je vous en ai déjà parlé, je trouve que c'est mieux parce qu'ils se font pas mal. Moi j'ai toujours peur avec les pailles en inox qui se la coincent dans le palais ou quoi, ça va tellement vite, enfin bon bref. Et c'est aussi accessoirement super bien pour les personnes âgées ou les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. C'est super bien sans qu'ils se fassent mal en fait, voilà, pour les aider à manger sans se faire mal, c'est top. Et du coup c'est parfait pour les petits smoothies. Et les soupes parce que c'est une taille qui est plus grosse que la normale en fait, voilà. Donc du coup ça permet de manger la soupe tranquillement et compagnie. Donc là que ma soupe elle a refroidi, je vais pouvoir... Ouais c'est bon, la soupe elle a refroidi. Elle est plutôt pas trop mal, hein. Elle est bonne. Donc du coup on va pouvoir manger ça. Et j'espère que Lily va manger toute sa soupe, hein. Croisez les doigts. On se retrouve après pour savoir du coup. Si tu veux, 15 pages. C'est maman alors. Non, viens t'asseoir déjà. 15 pages, c'est plus que ça. C'est Lucas qui va lire l'histoire déjà. Ok. Donc les enfants, ils vont aller au dodo. Et Lucas, il est en train de lire une histoire à Lily. Non. Oh, je pas du tout. Oh, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Il est grand, le livre. Quelle belle journée, s'exclame son rayon.